Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Sirikai. Bonjour tout le monde. Allez, on reprend la petite partie où elle en était. Donc, on vient de finir la guerre avec le Mamelouk. Donc, à ce qu'on fait là, c'est coring, conversion et tout ça. Déplacement des troupes. Ah oui, j'ai ça. Ah oui, j'ai cette nouvelle armée qui est là, mais celle-là, je vais la dégager en fait. Pour les moyens d'entretenir, j'ai pas de thunes. C'est quoi ça? La Tunisie cherche des mercenaires. Il en guerre kill, Tunisien. Cassis, Quoi? Aragon, Navarre, Angleterre, Ulster et Hospitalier. Comment dire? J'ai eu bonne chance. Voilà, j'ai des mercenaires, mais j'ai pas envie de perdre mes troupes. Ah, c'est beau quand même ce qu'on a pris là sur la guerre. Tiens, t'es au courant qu'il y a des rebelles chez toi? Ouais, c'est des rebelles d'Aden. Ok, on a ça, on a ça. Limite, ce fort, il me sert à rien. Enfin, je revois mes forts parce que, honnêtement, comment dire? Genre, le fort à Icel, moi si je le garde pour l'instant, mais genre, ouais, le fort à Anabulu, comment dire? Comment dire? Le fort que, ben, en fait, on va le dégager, ça sert à rien d'avoir un fort à la con. Je pense que je vais faire popper les fanatiques sunnites. Ils vont popper où ces cons? Icel, Bigok, Ofaceli. Quatorze unités au total. Après, je me dis, est-ce que ça, non, est-ce que ça vaut le coup de les, ouais. Voilà. On va les faire proquer, les rebelles. On va les détendre à coups de Ranger sur le coin de la gueule. Une bonne solution, ça. Ramazan, il est allié avec qui? Akyunlu. Akyunlu, c'est quoi déjà? C'est le violet? Ouais. Karaman, il est allié avec qui lui? Akyunlu. Dhul'Alkir, il est allié avec Ottoman, Golden Horde et Biapas. Hop. Libérer Lui. Majertine que j'ai comme ça en Attends, vassal. pour libérer une nation, faut Corée ou pas? Non, pas besoin de l'avoir Corée, la province. Non, pas besoin. Ok, donc je vais pas me faire Une chier. des provinces que j'ai occupées dans la guerre, je l'ai récupérée. Je l'ai libérée en vassal parce que il y a des rebelles de son pays qui sont en train de bouffer mon voisin. Je vous dis que si jamais les rebelles réussissent, mon vassal récupérera toutes ces provinces. Akyunlu, est-ce que je peux avoir des infos militaires? Armée nationale. Je me rappelle plus. Il y avait cette fonction. Ah, 8000 hommes, ok. Je me rappelle plus qu'il y avait cette fonction entre guillemets recherche quand tu. Sais, quand tu es sur le ledger et que tu cherches pas en plus, tu sais, tu fais sur l'onglet des armées, pays, patati patata. Ouais. Il y avait avant cette fonction. Cette fonction recherche. Je crois, oui. Bon, l'avantage à Kyunlu, il a pas de flotte. Ah tiens, ma flotte, par contre, je vais la prendre. 34 navires. Bon, le navire de transport. Enfin, on va le garder. Ça fera un navire de moins à construire. Par contre, la flotte, je la fous là-bas. Ouais, je vais aller défoncer Ramazan. Je vais gober un peu à Kyunlu. Est-ce que j'ai du corps? J'ai pas de corps chez lui, ça qui m'emmerde. Le Mamelouk m'a insulté. Mais comment se fait-ce? Ah, j'ai qui en rivaux? Les Mamelouks. Le Mamelouk, on lui fait un petit embargo aussi. Non, je peux pas. Nouvelle doctrine. Coût de maintien des mercenaires, moins 50%. Ah bah ça. Hop, et là j'ai développé quoi? Vitesse de recouvrement des réserves, plus 20%. Bah oui, c'est vrai que j'étais un peu charrette. Adana, diplomatie, déclarer la guerre. Ah, j'ai pas de comment ça, j'ai pas de casus belli. Merde. Non, c'est pas les missions. Conquérir la Grèce, conquérir la Serbie, unifier l'Asie mineure.
De Caraman. Ah, c'est Caraman que je peux taper. Caraman, j'ai une trousse avec lui. 1477, encore 3 ans. Allez, je repasse en vitesse 3. Est-ce que le Dudalkir... Ouais, j'ai trois missions, deux missionnaires qui ont bientôt fini. Ouais, par contre, ici, ouais, j'ai concentré le développement, mais je pourrais pas. Ouais, charge d'université, on s'en fout. Cassius Belli, bientôt. Ah, je pourrais plus utiliser mon Cassius Belli contre le Mamelouk. C'est parce qu'il m'a insulté. Ah Zut oui. alors! Comme ça, le KSBD ensuite, c'est le plus pourri parce que tu peux pas respecter le territoire. Ouais, mais tu peux pas racketter ses troupes? Enfin, tu sais, le truc, piller son truc. Ah, c'est la capitale, si, normalement, si, je crois que tu peux. Constituant raison d'espionnage. Moins 40 du gars. Contrôle de l'État. Ouais, on va faire un petit, on va convoquer les États. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Les clercs, ils veulent quoi? Accroître les revenus fiscaux en Kissiri. Demandons. Recouvrir nos réserves militaires. Ah ben, ça en prend. Moi, je vais faire ça, je vais en faire du deville de troupes. Le Mamelouk. Chewa, je vais poser Chewa. Ah, ils ont converti les deux provinces. 62 mois, putain. Naxos qui fabrique des claims. Comment dire? L'Autriche, moins 15, l'Italie, moins 10. L'Autriche. Moins 65 vis-à-vis de moi, ça commence. Ouais, Relations c'est bien. hostiles. Est-ce que je peux lui mettre des relations amicales? Non. Je vais lui mettre des relations neutres. Déjà, confiance 29, tu fais, c'est une bonne chose. La Lituanie. Est-ce que la Lituanie est contrôlée? Non, il est allié à la Pologne. Il est en guerre contre Moscovie. Oh! Ah, il y a un nouveau KSBD. Appel aux armes déshonorées. Tu peux casser la gueule à un pays qui n'est pas venu t'aider. Oh, c'est Tu beau peux juste ça! demander de la légitimité, de l'argent et de la démonstration de force. Tu ne peux pas prendre de province. Ah, je pourrais peut-être aller mettre sur la gueule de l'Albanie, ça m'occuperait. Tu tapes sur l'Albanais, ouais. Indépendance garantie par Venise et alliée à Gênes. Venise et Gênes, mais je me rappelle plus si je l'attaque, si je me retrouve, je déclare la guerre à l'Albanie. Venise vient, mais je crois qu'il n'y a que Venise qui vient. Il n'y a pas sa ligue commerciale à la con. Je crois que si. C'est sûr? Bon, attends, on va regarder déjà quelle est la flotte de Venise. Je crois qu'elle est plus nombreuse que la tienne. Non. Il a 26 navires légers, j'ai 33 galères. Enfin, 26 navires légers plus galères. Ah bon. J'annonce les 33 4 là. On va s'occuper de Venise là un petit coup. Oh putain, en plus toute sa flotte est à quai. Donc je vais prendre mes armées. Là et l'autre armée. Ouais, j'allais m'occuper de Venise. En plus, ouais, je vais déclarer la guerre à l'Albanie. Venise va venir. Je vais défoncer tout le monde et je vais me gaver. Ok, c'est un bon plan. Il me plaît Ah, bien. Negroponte, ça. Ah, Yagen aussi. C'est ça qui est chiant. On va avoir du monde qui va venir m'emmerder. Fin de l'étape. L'armée. On va ré relever l'effort. Un conseiller. Les conversions, elles disent quoi? 11, 4, 6, 49.
Ah, parce que je me mets là au golfe de Tarente, je bloque tout le chemin, quoi. Les mecs, s'ils veulent venir m'envahir, ça va être légèrement marrant pour eux. Gênes, ils ont Kafa, Matrika et Azov. Ouais, je vais faire ça, je vais déclarer la guerre à. Je vais récupérer mes. Ah ouais, et enfin, prends un pays, essaye de lui. T'as le chat, il a senti le gâteau. Les chats, ça mange pas de gâteau. Pas de chocolat. Pas bah, tu m'étonnes, surtout un fondant au chocolat, quoi. Hop, donc pendant qu'on enregistre, je me mange mon fondant au chocolat. Oh putain, j'ai perdu les. J'ai perdu mes Cassius Belli sur. Oh, bon, c'est pas grave, sur les îles Crêtes. Si tu déclares la guerre à un pays, ouais. Tu coches un pays en Kobe Agent. Par exemple, je mets en pause. Est-ce que tu vois Venise ou un pays de vers chez moi? Absolument pas. Alors, autre truc, par exemple, tu prends le même look. Ouais. Tu lui fais déclarer la guerre. Ouais. Ah, on peut pas. On va prendre quelque chose avec quoi t'as pas été en guerre. Niklaf. Caracalou, tu le vois Caracalou? Ouais, ouais. Tu prends Caracalou, tu fais déclarer la guerre. Il y a des pays. Miklaf, Musracha, Gilan, par exemple. Ouais. Appuie sur Gilan, sur le bouton pour le rendre en Cobijant. Ouais. Ah, on voit les Cobijant avec... Tout ce qui va revenir. Putain, ça, c'est un bon truc. Parmi les modifications de ce jeu, ils ont fait ça. Donc moi, je me retrouve Albanie, déclarer la guerre. Si je mets Venise en Cobijant, là, il y a tout le monde qui vient. Là, ça fait gros. Si je me le mets pas, je mets Gilan en Cobijant, t'as la Savoie, Sienne et Théodoros qui viennent. Donc là, je déclare la guerre à l'Albanie. Je me retrouve en guerre contre Venise et Gênes. Est-ce que je t'invite? Non, je vais pas t'appeler. Je vais me reconstruire pour le moment. Ouais. Être les derniers rebelles, pas être tranquille. Hop, allez, je vais passer vitesse 2. Comment ça, pas de réponse à une requête? C'est pas parce que je suis en guerre que je vais pas la remplir ta requête. C'est avoir du manpower. Bah ouais. Ouais, c'est avoir du manpower et bon pour ça que tu sois en paix. Je lui dis, c'est bon, t'as pas rempli la requête que j'ai demandé. Nif. Bon, alors maintenant je vais pouvoir d'ailleurs utiliser les ordres. Ah oui, j'oubliais ça. Bon, c'est vrai que j'ai 21 galères, ouais, 20 galères, 30 galères. J'oublie un détail, c'est qu'il y a aussi Gênes dans la flotte ennemie. Ah oui, c'est encore un autre pays qui est en guerre, mince. Voilà. Ils ont perdu 12 navires, j'en ai perdu 3. Là, j'attends que les galères se réparent. Là-bas, on assiège tranquillement. Ça y est, la rançon va pouvoir se propager chez moi. Développer ta province. Ouais, j'ai une que j'ai boussé comme un cochon. Alors je vais être un petit peu à la bourre, bon problème c'est que en même temps dire plus 25% de coûts et tech, ça fait très mal. C'est quoi ça? Invasion de imminente. Ok. T'as le chat qui passe et regarde le gâteau et dit si je m'approche je me fais défoncer.
Il y a deux navires, je vais dégager de la flotte, les deux navires abîmés. Ah putain, tu cliques. Voilà. Passons-en. Chichi, tu t'en vas. Chichi qui s'appelle? En sushi. Parce que si elle fait chier, elle va finir en sushi. Let's go. Bon, ok, leur flotte est prend cher. Voilà, je les snipe petit à petit. Voilà, ils ont perdu 6 navires, j'en ai pas perdu. Ils en perdent un de plus, j'en ai toujours pas perdu. Hop. On va se garer. On va passer le nouveau mois, la flotte va être à fond. Voilà, elle est à fond la flotte. 28 navires. Donc j'annonce la flotte vénitienne, génoise. Tout ce qui traîne là, ça n'existe plus. Voilà. D'accord. Hop, réparer le navire endommagé. Là-bas, je sais pas ce qu'il me fait Naxos, s'il est en train de Tarnovo, Sinistre. Fais-toi plaise. Ouais, amusez-vous les gars. L'autre, il me ressort de la flotte. Là-bas, vas-y, amuse-toi. Il lui reste 18 navires. Le Vénitien. Hop, on fusionne. L'Audi, on va lui faire payer sa trahison. Ah, celui qui va prendre cher dans cette histoire, c'est surtout le Vénitien, quoi. En fait, ils vont prendre tout cher. Si, le Génois. Ah oui aussi. C'est bien parce que le Il va. Génois est tellement beau de pognon, tu peux le dévaster. Mais il va surtout perdre deux profs provinces, là, tu sais, Lesbos et Sio. Ouh, le pauvre Racide, il est en trois guerres en même temps, le pauvre. Je le plains. Qui ça qui est dans trois guerres en même temps? Le racide. On ne connaît pas. Normal, c'est une pauvre merde à la frontière. Là, j'ai emmené ma flotte là-bas, histoire d'échoper Negroponte. Hop, 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 le Vénitien, il croit quoi l'autre là? Il croit qu'il peut bouger ses flottes. Non, non, tu retournes à ta maison là, je t'explique vite fait. Non, mais l'autre là, il croit qu'il peut venir tranquillement. Vas-y, je vais bloquer. Non, non, tu bloques rien du tout. Si, je fais cocher aimé. Le siège de Lézé est terminé. Putain, l'enculé, il m'a sorti 25 000 hommes là. Ah, ils arrivent par la terre. Ah. Ah mais je vais y aller là, je finis vite fait mon siège ici, je vais y tomber dessus avec mes 32 000 hommes. FDP de vassal, il y a une province avec des rebelles sur ton bled, tu veux pas juste envoyer une troupe pour la libérer? Ah putain, je me fais attaquer en merger moi, comme un con. Casse-toi, va te cacher là-bas, va te cacher là-bas. J'ai perdu un navire, ils en ont perdu un peu plus.
Allez, oh putain, les latences. Allez. En tout cas, j'ai pris toutes les provinces de l'Ottoman, enfin de l'Ottoman du... T'as ton tes points syriennes qui se font occuper d'ailleurs. Oh, c'est pas grave ça. D'ailleurs, il y a ces parties sunnites qui pourraient popper. Ce serait drôle qu'ils se Non, trouvent des lois. je les ai défoncés, ils vont plus popper grand chose. Par contre, ouais, ils viennent de perdre 7000 hommes. Merde, j'ai des dettes, moi. J'ai combien de dettes? On peut voir. Là, t'as 1000 mecs de Naxos qui vont se faire tomber dessus par 32 000 Ottomans vénères. Après, je voulais avoir. Ah ben c'est un carnage. Je vais me choper les 25 000 Vénitiens là, ça va rôter du sang. Ça m'énerve par contre. Putain, les mecs, ils traversent ton territoire, mais tu peux pas les rattraper, quoi. C'est pire. Tu sais qu'ils ont un général qui est bon en manœuvre, ça les aide. C'est ça, c'est ça. Ça va être la manœuvre. Bon, je vais prendre les provinces. Hein. T'as raison. Là. Des piles vassales, bouge tes troupes et viens me filer un coup de main. Quel enfer. Les fanatiques ont popé à Alep. Ah bah oui, je l'avais dit, sur les droits, sur les Génois. Donc soit les Génois vont se faire pulvériser, soit ils vont pulvériser les fanatiques, mais ils vont prendre de lourdes pertes. Occupation de tout le cas, bonne nouvelle. C'est les Gélois qui vont se faire pulvériser. Ah, Là. série crack! Ah bah c'est les fanatiques qui ont gagné. Ah Ils ont pris la forteresse, pardon, ils ont pris la forteresse, ils ont pris la fin du siège, et ils ont pris la forteresse. Ah, c'est moche. pas grave ça. Là, je vais défoncer 7 navires, enfin 7 galères, comment ça s'appelle? Vénitiennes. Ça va être leur reliquat, je pense. Ennemi. En fait, il reste 10 galères vénitiennes, il y en a 7 qui vont tomber d'un coup, 4 galères génoises, et j'en ai 29. Je pense... Pas trop de difficultés que tu as gagné quand même. Grave. Voilà. La flotte vénitienne, ben, il n'y a plus de galère vénitienne. On va aller se mettre là-bas. Oh, elle a rien pris, ma flotte. Rien de chez rien, quoi. Ah cool, j'ai pris Nassau. Ah. Vous, vous revenez là. Mais pourquoi on t'a...
Bah on va baisser son orbite simplement déjà. Allez, on va libérer la mer Égée là, il y a des provinces à prendre. Oh putain, 16 navires génois. Ça c'est une nouvelle qui en est bonne. Sougla est assiégé. Bah vas-y, fais-toi plaise. L'autre mer Égée. Ah bon, on est en train de défoncer la flotte ennemie en mer Égée. Constantinople est assiégée. T'as pas un petit peu de bif à me prêter? Ouais, t'en faut combien? Bon, 200 ce serait bien. Putain! Je peux prêter 150. Ok, ça me sert très bien. C'est où faire un don? Parce qu'il me reste 215, donc je préfère quand même garder un petit peu de marge. Ouais, t'as raison, pardon. Merci. Deus Vult. Ah bah ma flotte est déjà toute réparée. Là je vais redéfoncer encore 7 navires. Voilà. Ah ça aussi, il y a encore les bêtes israéliens qui sont révoltés et cassent les bureaux de ceux-là. On n'est pas content. Pourquoi on n'est pas content? On veut l'indépendance. Vous avez conscience, les mecs, que si vous voulez notre indépendance, votre pays de merde, il va être tout seul et une victime. En même temps, ces mecs-là, ça va même pas gérer un pays, alors... Je vais taper dessus. Et ben voilà, ça c'est une nouvelle qu'elle en est bien. Pas ça. Bah là, ils avaient débarqué un peu à Sugla. Et j'avais créé une petite armée de clodo à côté. Ah ben, je les ai défoncés. Là, ça fait que j'ai traversé, je vais prendre Sio. Ah, ça se passe que ça dit que c'est plutôt pas mal. Ah, 6000 hommes, là, si je pouvais choper ça. J'ai mis 31 navires qui sont dans la mer d'Égée, qui sont en train de tout bloquer. Je vais choper les provinces qu'ils ont là. C'est merdine, mais il y avait 6000 Vénitiens qui traînaient. Donc, c'était du passé. Bam, stack wipe. Oh, le siège de Corfou est terminé. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Ah, il y a la crête qu'il faut que je prenne aussi. Mais la crête, je crois qu'il y a un fort dedans. Allez, bing! Elle a repris cher, la flotte grecque, cette fois-ci. Donc... Oh, t'es grec, ici. Naxos, ah, attends. Venise. Venise, je veux ça, ça. Je prends toutes mes clés à Venise, déjà. Ça. Ah, il veut pas. Ah, va falloir que j'aille prendre Venise, carrément. Bon, je crois que mon refrain de power, t'inquiète pas. Allez, je vais devoir traverser
Et le Tungling de fin d'épisode, au fait. D'accord. Hop. Donc voilà. On va s'arrêter là, les gens. On vous dit bye bye. Et on se retrouve donc demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.